Hello tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme. On se retrouve pour une nouvelle semaine de Challenge Hebdo. Le but toujours le même, vous aider à faire minimum 10 minutes d'exercice quotidiennement. Donc moi je fais du coaching nutritionnel à côté, je fais ces vidéos qui sont gratuites pour me faire connaître et surtout pour vous aider à bouger plus, d'accord? Donc c'est vraiment important d'avoir vraiment un rituel sportif. Même si 10 minutes ça paraît pas grand chose, je peux vous assurer que sur le long terme ça fait la différence. Sur cette session-là, on va venir travailler plutôt les fessiers, mais vous allez voir qu'avec des postures de gainage, on va venir également travailler la sangle abdominale, d'accord, et les jambes. Donc, on va faire du 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ce qui est bien, c'est que ça peut être vraiment adapté à tout le monde. Ça veut dire que si vraiment vous êtes débutant au début, n'essayez pas à faire des mouvements trop rapides, trop intenses, d'accord? Adapté à votre niveau, trouvez-vous votre tempo à vous et surtout conservez-le. Ce qui est très important, c'est toujours d'avoir la ceinture abdominale bien gainée, d'aspirer bien le nombril, d'avoir le dos bien droit, d'accord? Et on enchaîne. Allez, c'est parti, je mets le timer. On va démarrer. Flexion jambe gauche, regardez, battement sur la jambe droite. Donc mon pied est légèrement tourné vers l'intérieur. Je suis rapide à la montée, je retiens à la descente, d'accord? Rapide à la montée, je retiens à la descente. Ma jambe est tendue, ma jambe droite, et ma pointe de pied est vers l'intérieur. On inspire, on souffle. Si c'est trop compliqué de tenir l'équilibre avec la sangle abdominale, n'hésitez pas à vous prendre un balai, d'accord? Vous appuyez contre le mur. Si vous y arrivez, c'est encore mieux, parce que c'est comme ça qu'on va travailler les abdominaux en même temps. Super. Allez, on démarre. Sur le fessier droit, il ne reste plus que 5 secondes. On est rapide à la montée, on retient la descente. Super. Toujours flexion sur la jambe gauche, on reste sur le fessier droit. Et là, regardez pareil. J'envoie vers l'arrière. D'accord? Rapide, on revient en retenant. Tonique, on retient. D'accord? Allez, c'est parti. Flexion jambe gauche, on tend bien la jambe droite. Le pied est flex, le dos est droit. Les abdos sont gainés et on tient pendant 45 secondes. Et là, chacun son tempo. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller vite. Trouvez votre tempo, mettez-vous une petite musique d'ambiance, celle qui vous fait plaisir. Essayez de le conserver. Toujours pareil, si c'est trop compliqué de tenir l'équilibre avec les abdos, je prends un balai, je m'appuie contre un mur. Mais essayez de vous challenger en gainant bien la sangle abdominale pour vous aider à tenir. Et en même temps, venez gainer au niveau de la cuisse gauche, du fessier gauche également, qui doit tenir la posture, et des abdos. Toujours flexion sur la jambe gauche. Là, on va venir faire des ronds, d'accord? On va dessiner des ronds avec le genou. On monte rapide, on retient la descente. Rapide, on retient la descente. Et la sangle abdominale bien gainée. C'est parti. Et là, pareil, si besoin, je prends mon balai. Allez, on inspire, on souffle. Ma jambe gauche est légèrement fléchie, d'accord? Mon dos est bien droit. Je sors ma poitrine. Je prends des grandes inspirations. Oxygénez bien vos muscles aussi. Allez, on tient. Super. Allez, on essaye d'être tonique à la montée, on retient la descente. Tonique à la montée, on retient la descente. Super. On s'accroche. Génial. Ce qu'on a fait à droite, on va le faire à gauche. Flexion jambe droite, d'accord? Petit mouvement de battement. La pointe légèrement tournée vers l'intérieur pour le pied, d'accord? Allez, on y va. Flexion jambe droite, dos droit, on sort la poitrine. Rapide à la montée, on retient la descente. Super. Allez. Les trois exercices qu'on a fait à droite, on va le faire à gauche, bien entendu. Sinon, vous allez me dire, Stéphanie, j'ai un fessier plus gros que l'autre. C'est pas possible. Donc, on essaye à faire un travail toujours symétrique. Super. Allez, on y va. Rapide, on retient. Rapide, on retient. Allez, c'est 10 minutes. On essaye à être bien tonique, à s'appliquer sur les mouvements. À serrer au niveau des abdos en aspirant le nombril. Allez, on donne tout pendant 10 minutes. Super. Là, pareil, flexion jambe droite et on fait des mouvements toniques vers l'arrière. Tonique
En amenant le pied vers l'arrière, on ramène en prenant notre temps. Allez, flexion jambe droite, c'est parti. Super. Hop. Voilà, chacun son tempo, mais essayez de vous mettre un peu de musique avec du rythme si besoin, pour vraiment vous aider à garder cette tonicité. Allez, super. On y va, on tient l'équilibre. Hein. Voilà, jambes bien tendues, pieds bien flex. Ça doit bien commencer à tirer au niveau des fessiers. Tout le gauche a été sollicité quand on travaille le droit, donc forcément. Allez, on s'accroche. C'est les trois dernières secondes. Super. Flexion jambe droite, d'accord? Et là, on fait les ronds. Rapide, on retient, d'accord? Le dos bien droit, les abdos gainés comme du béton armé. Et on y va. Allez, c'est parti. Super. Voilà, génial. Hop. Et là, pareil, sur les ronds, essayez d'avoir votre tempo, d'accord? Si au début, c'est pas grave, si vous reprenez le sport, vous aidez d'un balai, vous en faites pas beaucoup, c'est pas grave, chacun son rythme. Le but, c'est que tous les jours, s'améliore un petit peu, d'accord? Parce que bien sûr, ce qui prévaut, c'est vraiment la répétition. Ça sert à rien de faire une journée où on fait 3 heures de sport, puis on n'en fait plus pendant 3 mois. Quoi. Allez. Et bien entendu, 80% de vos résultats, ça sera dans vos assiettes. Hein. Ça, c'est vraiment important à bien comprendre. Allez, on se met à quatre pattes. On va faire côté droit en premier. On ramène, on frappe. On ramène, on frappe. Le dos droit, le nombril est aspiré, d'accord? Allez, on y va. Si besoin, si vous avez mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre une petite serviette. Au niveau des genoux ou un tapis si vous avez. Ça suffit largement. Allez, on frappe. Et on frappe. Et on ramène et on frappe. Allez. Prenez de grandes inspirations et on ne relâche pas le bidon, d'accord? Le dos est droit, le nombril est aspiré. Hein. On ne relâche pas le ventre. Allez, on y va. C'est parti. Super. Jambes droites tendues, pieds flex, d'accord? Et là, on fait des ronds vers l'extérieur, d'accord? La jambe est bien tendue, le pied est bien flex et on fait des ronds. On est bien tonique sur les petits ronds qu'on va dessiner et le nombril est bien aspiré. Allez, petit rond, petit rond, petit rond, petit rond. Super. Si besoin, vous mettez sur les coudes, d'accord? Si vous avez mal au niveau des poignets. Allez, on tient. Si c'est trop dur, on relâche. 3 secondes et on y retourne, d'accord? On fait ça et vous verrez que de plus en plus, arriverez à tenir. Bien entendu, si vous avez la discipline de vous entraîner régulièrement, d'accord? 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment tous les jours. Allez, 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 allez. On continue, on continue, on continue. Allez. Super. Allez, maintenant, on passe sur l'autre côté, d'accord? Moi, j'ai commencé par la jambe droite, donc là, maintenant, je vais faire la jambe gauche. Ramenez, on frappe le dos droit, les abdos bien gainés, le nombril bien aspiré. Allez, c'est parti. On frappe. Allez, super. On ramène, faites vraiment l'effort de ramener, rentrer votre ventre et frapper. Rentrer et frapper, rentrer et frapper. La tonicité dans le mouvement est très très importante. Des fois, il vaut mieux ou moins faire de répètes, mais vraiment bien s'appliquer plutôt que vouloir faire plusieurs fois le même mouvement, mais le faire à moitié. Allez, on frappe, on frappe, on frappe. Allez, c'est bientôt fini. On s'accroche. Super. Allez, on peut détendre un peu les fessiers comme ceci.
Et on repart sur 45 secondes de petits ronds. Et je vous l'annonce, c'est la dernière série, d'accord? Donc vraiment, on s'accroche. C'est parti. Allez. Petit rond tonique, dynamique vers l'extérieur. Et vous voyez ma jambe, mon pied est au niveau de mon fessier, d'accord? Ni trop haut, ni trop bas. Et je le répète encore une fois, le dos est droit. Et les abdos sont bien gainés, le nombril est bien inspiré. Et les petits ronds sont toniques et dynamiques. Allez, on s'accroche. Si c'est trop dur, bras tendus, ça fait mal au poignet, on n'hésite pas à basculer sur les coudes. Allez, on s'accroche. Le dos est droit. On tient, on tient, on tient. Super. Et voilà. Et mine de rien, c'est que du renfort. On n'a pas fait de cardio cette fois-ci. Mais je ne sais pas vous, ça m'est vraiment transpiré. Donc j'espère que ça a été une séance bien sympathique pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, on fait des bilans personnalisés qu'on offre, qui sont complètement gratuits, où on vous parle de notre concept. Un concept qui, moi, m'a permis à perdre plus de 12 kilos, reprendre 3 kilos de masse musculaire. J'étais pas du tout sportive. À la base, moi, je suis une ingénieure agro qui a fait 10 ans de grande distribution, qui était très dans un métier plutôt sédentaire derrière son bureau. Et j'ai découvert ce concept. J'ai décidé de me remettre en forme avec. Ça a été un pari réussi. Et aujourd'hui, ben, j'adore pouvoir impacter des personnes autour de moi, les aider à retrouver la forme. Et pour ceux qui le souhaitent, les aider à intégrer une team dynamique pour développer, ben, pourquoi pas, des compléments de revenus ou des reconversions comme j'ai pu faire. Je vous souhaite une excellente semaine. On est sur les fêtes de fin d'année actuellement, sur cette semaine-là de challenge. Donc n'hésitez pas, c'est important. Un balance énergétique, l'activité physique forcément va augmenter votre besoin. Donc ça va vous permettre de continuer à creuser le déficit entre votre apport et votre besoin et continuer à pouvoir perdre du poids pour les personnes dont l'objectif est de perdre un peu en masse grasse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et belle semaine à tous.